Ah, bah vous êtes déjà là, vous? Vous avez ce que je vous ai demandé? Ben, pas vraiment. Il y a un genre de problème. Un genre... Qu'est-ce que ça veut dire, un genre de problème? Un problème, quoi. Non, mais vous avez raison. Commencez pas à faire ce que je vous demande correctement du premier coup, je risquerais de me sentir mal. Bon, alors vous allez être gentil, pas de gueuler pour un oui, pour un non. D'autant que là, j'y suis pour rien, alors... Je vous demande d'aller me chercher 2-3 parchemins au paradis. Et vous revenez sans. Venez pas me dire que vous faites pas preuve de mauvaise volonté, si ce n'est d'incompétence. Mais on peut pas y accéder, votre paradis, là. De quoi? Les portes sont fermées, c'est de ma faute à moi. C'est quand même pas compliqué. Il y a un type qui a les clés. Son nom, c'est Saint-Pierre, il paraît. Vous passez votre temps avec, au demeurant. Il les a paumées, les clés. Encore? Non seulement il les a perdues, mais cette fois, il les retrouve vraiment plus. Ça fait 4 jours qu'on reste bloqué comme des cons devant la porte, sans pouvoir entrer. Là. Ça vient! Oui, oui, enfin, je la trouve pas, quoi. Mais bon sang, comment vous vous démerdez pour être aussi bordélique? C'est que j'ai réorganisé tous mes trousseaux récemment. Eh ben, ça valait le coup! Non, mais c'est que j'ai classé les clés par couleur. Et vous avez pas eu trop de mal? Elles sont toutes de la même couleur, vos clés, là! Oui, c'est pour ça que je m'y retrouve plus, d'ailleurs. Non, vous pensez que ça vient de là? Mais comment ça se fait que vous en ayez autant? Il y a la clé du paradis, déjà, et les autres... Alors, celle-là, elle sert à accéder au... Non, celle-ci, c'est plutôt les... Alors, elle sert à quoi, celle-là? Non, je sais plus. Je commence sérieusement à me demander ce que j'ai bien pu faire pour être entouré de guignolos dans votre genre. Et vous me dites que ça fait combien de temps que vous la cherchez? Ah bah, pas très longtemps. Ça fait pas 4 jours? Ouais, bah 4 jours, à l'échelle du monde, c'est tout de même pas grand-chose. Non, mais à l'échelle de ma patience, vous êtes déjà en zone rouge. Je cherche. Mais 4 jours? Bah oui, bah c'est ce que je... Mais... Gros con, vous êtes en train de me dire que ça fait 4 jours que personne peut entrer au paradis et que les âmes qui ont été assignées depuis tout ce temps poirotent? Bah j'imagine, oui, en tout cas j'ai vu passer personne vu que la porte est fermée. Mais 4 jours, c'est presque 500 000 clampins qui attendent comme l'arrivée du Messie que vous leur ouvriez la porte! Quoi que je vous dis ça, mais ceux-là on les a envoyés en enfer. C'est pour ça que j'ai vu passer personne d'ailleurs. Je vous demande pardon? On n'avait pas tous les parqués dans un coin. Bien entendu, c'est temporaire. Ah bon? Si, oui, bien sûr, on les ramène tout de suite après, évidemment. Ouais... Enfin, tout de même, hein, vous avez une chose à faire. Une! Vous gardez votre saloperie de clé avec vous et vous ouvrez la porte quand un pèlerin se pointe, et même ça, vous y arrivez pas! Du coup, là, ça fait 2 choses. Retrouvez-moi ça. Vous avez 2 minutes. Expirez ce délai, vous irez tâter le poste de gardien des clés chez la concurrence, en compagnie du joli chien-chien à 3 têtes qu'ils ont là-bas. Mais vous pouvez pas vous téléporter directement dans le paradis? Et comme ça, vous pourriez m'ouvrir de l'intérieur? Non, je ne peux pas, non. Le paradis, c'est pas un moulin. Même moi, j'y entre pas d'un claquement de doigts. Alors vous faites comment? Je passe par la porte, quand c'est ouvert, bien sûr! Oh, bon, ça va. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que je referme les portes? On les laisserait tout le temps ouvertes, on n'aurait pas de soucis. Toujours pour la même raison. Parce que c'est pas un moulin, et que le premier pécor venu peut pas y aller quand ça lui chante. Ah! Vous l'avez? Ah bah quand même! Je vous le fais pas dire, oui. Ah non, mais c'est pas les clés de la porte, là. C'est juste que je viens de me souvenir que celle-ci, elle sert à accéder au... Non, j'ai confondu avec la petite, là. Les minutes passent. Oui, je cherche. C'est ça, cherchez. Moi aussi, je cherche. Lequel de mes 2 pieds va vous atterrir dans le pif, à votre avis? Je les ai essayés 10 fois, toutes ces putains de clés. Je l'ai pas. Ah, vous êtes là. Vous venez voir comment votre copain va se retrouver encastré dans la porte? Mais je la trouve pas. Vous cherchez la clé? Je sais où elle est, moi. Quoi? Bah oui, je m'en suis rappelé tout à l'heure. Vous vous souvenez pas? C'est qu'on devait faire tenir des petits trucs en se coinçant dans l'oreille, comme ça. Et moi j'avais pris vos clés, et après on s'est dit que celui qui tiendra le plus longtemps gagnerait, et puis moi je suis parti pour aller... Enfin bref, c'est... Je l'ai, vos clés. Ah, c'était ça! Mais oui! Si c'est pas triste, quand même. Et si, c'est triste. Les 2 minutes sont écoulées. Heureusement que j'ai pas qu'un seul pied, quand même. La 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 la